messieurs les cadres des départements ministériels, mesdames et messieurs, honorables invités en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette heureuse occasion pour souhaiter, au nom de monsieur le ministre de l'Élevage, Roger Patrick Milimono, la bienvenue à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Par la même occasion, je voudrais, avec votre permission, Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, remercier tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement pour participer à la cérémonie officielle d'inauguration du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le laboratoire vétérinaire que vous avez l'insigne honneur d'inaugurer ce jour a été construit en 1992 dans le cadre du projet de restructuration du secteur de l'élevage cofinancé par la Banque mondiale, la Caisse française de coopération économique d'alors et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il a pour mission principale, 1. Le diagnostic des maladies qui affectent les animaux et celles transmissibles aux hommes, 2. La réalisation d'enquêtes épidémiologiques sur le terrain, et 3. L'analyse de la qualité des denrées d'origine animale, de l'eau de boisson et des produits de pêche à l'exportation. Depuis sa création, il a fonctionné conformément à sa mission. Il a été d'un appui majeur dans la surveillance et la riposte contre les maladies animales transfrontalières et celles à potentiel épidémique qui menacent la santé de nos populations. C'est dans ce cadre qu'il a participé à la surveillance de la peste bovine et à la finalisation de la procédure de l'Organisation mondiale de la santé animale de déclaration de pays libre de maladies et d'infections de peste bovine. Cependant, depuis la fin des projets et programmes mis en œuvre au niveau du secteur de l'élevage, il a été confronté à d'énormes difficultés, dont entre autres, 1. La vétusté de certains équipements et l'absence d'équipements homologués, 2. Le manque de réactifs et de consommables de laboratoire, 3. Le manque de logistique et l'insuffisance des moyens financiers pour conduire ces missions d'investigation sur le terrain. Avec ces difficultés, le laboratoire, à partir des années 2008, a cessé de fonctionner à plein régime, affectant du coup la performance des services vétérinaires de notre pays. Rappelons que 60% des pathogènes affectant l'homme sont d'origine animale et 75% des nouvelles maladies animales peuvent se transmettre à l'homme. En plus, 80% des pathogènes pouvant servir dans le bioterrorisme sont d'origine animale. Compte tenu de cette réalité et du rôle du laboratoire dans le dispositif de prévention, de contrôle et d'éradication des maladies animales, y compris les zoonoses, la FAO, dans le cadre de son programme de soutien à la sécurité sanitaire mondiale, la lutte contre les zoonoses et au renforcement de la santé animale en Afrique, a entrepris en 2016, sur le financement de l'USAID, des travaux de réhabilitation et d'équipement du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry. Ces travaux ont concerné principalement le génie civil, l'acquisition et l'installation d'équipements modernes de diagnostic, dont entre autres un plateau de diagnostic moléculaire, un système moderne de diagnostic sérologique, des microscopes à fluorescence pour le diagnostic de la rase, des réactifs et des consommables de laboratoire, un groupe électrogène relais de 65 kVA, des congélateurs de moins 20 et de moins 80 degrés et des équipements de biosécurité et de biosécurité en laboratoire. À ces travaux, il faut ajouter le financement, entre autres, de la formation.
un de six agents de en technique de laboratoire à Bamako, République de Guinée, République du Mali. Deux agents en biosécurité et en biosécurité en Côte d'Ivoire. Trois de six agents en diagnostic de rage et de la grippe aviaire sur site par des experts internationaux. Et enfin, quatre de l'ensemble du personnel du laboratoire en assurance qualité, en biosécurité et en biosécurité sur site par des experts internationaux. Ce programme de renforcement des capacités du personnel se poursuit avec en prévision de la formation d'autres techniciens de laboratoire à l'étranger pour servir dans les futurs laboratoires régionaux de l'Abbé, Cancan et Zérékoré, tous sur financement de l'USAID dans le cadre du programme de soutien de la FAO. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le laboratoire ainsi rénové et rééquipé est à nouveau capable, avec de nouvelles techniques de pointe, de diagnostiquer les maladies animales transfrontalières d'importance économique et les zoonoses prioritaires dont la rage, la brucellose, l'anthrax et la grippe aviaire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu et le moment d'exprimer une fois encore notre gratitude à l'USAID et à la FAO pour les importants travaux de rénovation réalisés. Des réalisations qui permettront à notre pays d'améliorer son score en termes de capacité de diagnostic par rapport aux exigences du règlement sanitaire international et de mieux préparer les prochaines évaluations externes, d'une part de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, et d'autre part de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour terminer, nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers de notre pays, pour avoir accepté, en dépit de leur programme très chargé, de rehausser par leur présence la présente cérémonie. Je vous remercie. De l'USAID en Guinée, Monsieur le coordonnateur régional du centre des urgences des maladies transfrontalières animales de la FAO, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous sommes infiniment honorés par votre présence en ce jour historique de l'inauguration officielle du laboratoire central vétérinaire de diagnostic en sigle LCVD de Conakry. Le chemin a été très long. Et à cette occasion, Excellences, Monsieur le Premier ministre, il me plaît, au nom du directeur général de la FAO, Monsieur José Graziano da Silva, au nom de mes collègues de la FAO ici présents, et à mon nom propre, de souhaiter la cordiale bienvenue à Son Excellence, à Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des ministres et les représentants du peuple. L'événement qui nous réunit aujourd'hui découle du partenariat engagé en 2015 entre la FAO et l'USAID dans le cadre de l'appui à la lutte contre les menaces des pandémies émergentes et au programme de sécurité sanitaire mondial. Dans cette dynamique partenariale, la FAO, à travers son centre des urgences des maladies animales transfrontalières, s'est engagée à renforcer les systèmes de santé animale en Guinée par la mise en œuvre des quatre paquets d'actions, qui sont les maladies zoonotiques,
la biosécurité, biosûreté, le renforcement des capacités des ressources humaines et des systèmes de laboratoire. Mesdames et messieurs, il est important pour tout pays de disposer d'un système de laboratoire performant à même de jouer le rôle de confirmation des maladies animales. En effet, le laboratoire est un outil essentiel du système de surveillance des maladies. C'est le laboratoire qui, par la détection rapide des maladies, permet la prise de décisions appropriées en vue de la riposte aux épidémies et à tout événement pouvant impacter négativement la santé des populations animales et humaines. À l'absence de système de surveillance adéquatement soutenu par un laboratoire, les maladies peuvent se propager et occasionner toutes les conséquences associées, telles que l'anéantissement de l'élevage, les pertes économiques et sociales, la dégradation de la santé publique et des pertes en vies humaines, surtout lorsqu'il s'agit des zoonoses. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry se trouvait dans l'incapacité, notoire, de réaliser des diagnostics des maladies animales, notamment les zoonoses. Je rappelle ici, pour ceux qui ne maîtrisent pas, bien sûr, ce langage scientifique, les zoonoses sont des maladies transmissibles de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. À l'absence de systèmes de surveillance adéquatement soutenus par un laboratoire, les maladies peuvent se propager, dis-je, et occasionner toutes les conséquences associées, telles que l'anéantissement de l'élevage. Depuis quelques années, ces laboratoires, donc, se trouvaient dans cette incapacité de faire les diagnostics. La FAO, consciente du rôle prépondérant qui joue un laboratoire dans le système de surveillance des maladies, a prévu le renforcement des capacités du laboratoire central de diagnostic. Pour ce faire, le LCV a fait l'objet d'une évaluation à l'aide d'un outil qu'on appelle cartographie de laboratoire LMT de la FAO. Ça, c'est en 2016. Cette évaluation a abouti à une feuille de route précisant les domaines saillants à renforcer, y compris la formation du personnel, ainsi que les équipements à acquérir pour le redémarrage effectif du laboratoire. C'est ainsi que la rénovation complète du NCVD a été réalisée. Les personnels formés en Guinée et à l'extérieur sur les diverses thématiques, les équipements de pointe ainsi que des réactifs et consommables acquis pour les diagnostics des zoonoses majeures et des maladies animales prioritaires. Il s'agit entre autres de la plateforme de biologie moléculaire, tout à l'heure le directeur l'a rappelé, les PCR conventionnels, les PCR en temps réel, d'une chaîne de diagnostic sérologique ELISA, des microscopes binoculaires et à immunofluorescence, des bottes microbiologiques, des congélateurs allant de moins 80 degrés à moins 20 degrés, des autoclaves, d'un groupe électrogène de 60 kVA pour une alimentation régulière en électricité du matériel de biosécurité et biosûreté. Le coût total de toutes ces réalisations s'élève à $635 000 des États-Unis, correspondant à environ 6 milliards de francs guinéens, entièrement pris en charge dans le cadre de ce programme EPT2 de la FAO, financé par l'USAID. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs,
c'est le lieu de remercier l'USAID pour cet appui important et qui permet à la Guinée de disposer d'un laboratoire pleinement fonctionnel et à même de diagnostiquer les principales maladies animales dans les hommes. À ce jour, le laboratoire vétérinaire de diagnostic de Conakry est capable de réaliser les diagnostics des zoonoses prioritaires tels que la rage, la brucellose, la grippe aviaire, le charbon bactérien et des principales maladies animales telles que la maladie de Newcastle, la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse. C'est ainsi qu'au cours des deux derniers mois, le LCVD a réalisé les diagnostics de 6 cas de rage, dont 3 se sont avérés positifs dans les localités de Zérékoré, Conakry et Mali. Par ailleurs, 560 échantillons de sérum ont été testés pour la recherche de la brucellose sur les 4500 sérums réceptionnés au laboratoire le 25 octobre 2018. En outre, le laboratoire vient d'achever avec satisfaction les tests interlaboratoires initiés par les laboratoires de référence internationale de Padova en Italie pour la rage et la grippe aviaire. C'est pour vous dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que le laboratoire est fonctionnel. Pour renforcer davantage les systèmes de laboratoire en Guinée et rapprocher les activités de diagnostic du terrain, la FAO s'engage à accompagner les ministères de l'élevage pour la réhabilitation des 3 laboratoires régionaux de l'AB, de Cancan et de Zérékoré. La reprise effective des activités du LCVD et son inauguration par vous, Excellence, est l'un des événements marquants de l'année, à notre avis. Ces laboratoires doivent contribuer au développement de l'élevage. Pour ce faire, il y a d'importants défis à relever. C'est en ce sens que la FAO sollicite une plus grande implication du gouvernement dans le fonctionnement durable du laboratoire et du réseau de surveillance des maladies animales. L'appui du gouvernement est aussi sollicité pour la sensibilisation et la mobilisation sociale des populations, ainsi que tous les acteurs du secteur de l'élevage sur la nécessité de recourir désormais au laboratoire LCVD pour les diagnostics des maladies animales. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi saisir l'occasion qui m'est encore offerte pour réitérer au nom de la FAO mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement ici présents pour avoir accepté de rehausser de leur présence la présente cérémonie. Mon remerciement s'adresse également à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, pour leur appui constant à la mise en œuvre du programme EPT2 en Guinée. Je voudrais remercier les personnels du ministère de l'Élevage, avec à la tête mon cher ami et frère Roger Patrick Midemono, pour la franche collaboration et sa disponibilité pour la collaboration avec tous les partenaires engagés. Je puis enfin vous assurer de la disponibilité de la FAO, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à œuvrer auprès du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la lutte contre la pauvreté en Guinée. Vive la coopération internationale, vive la Guinée, je vous remercie. Je vous prends chaque jour, c'est si important pour la santé et la prospérité de la Guinée. Pour représentants des bailleurs de fonds, c'est toujours important d'avoir ces opportunités, d'avoir quelque chose de concret qui on peut montrer pour la coopération entre nos pays et le gouvernement de la Guinée.
Et c'est toujours plus important qu'on peut faire quelque chose qui a un impact multiple. Quand le rôle de ce ministère, il y a un impact dans la santé du gouvernement, du peuple guinéen, mais aussi avec la prospérité. Ce programme était fait sur notre programme international, notre appui au programme international d'agenda mondial de sécurité sanitaire. C'est-à-dire qu'après la crise d'Ebola, nous avons vu la nécessité de renforcer la capacité de la Guinée et des autres pays dans les luttes contre les maladies infectieuses. Nous savons que c'est toujours la même stratégie. C'est de détecter. Non, première, c'est de prévenir. Deuxième, c'est de détecter. Et le troisième, c'est de réagir. On a fait assez d'efforts dans les efforts de prévenir ces maladies. Mais cet acte aujourd'hui, c'est un grand renforcement de capacité de la Guinée de détecter les maladies infectieuses. Comme a été dit par le représentant de FAO, la plupart des maladies infectieuses, il y a une connexion directe entre le monde des animaux et les êtres humains. C'est 70% des maladies qui viennent directement des animaux. Alors maintenant, avec cette capacité du ministère, il y a la capacité de détecter rapidement les maladies, puisqu'on peut réagir. Mais c'est plus qu'un impact sanitaire. J'ai bien noté dans les, je pense que c'était les premières deux semaines de mandat de Son Excellence le ministre et avec le gouvernement de Son Excellence le Premier ministre, le gouvernement a organisé le Congrès national d'élevage à l'Abbé. Ça a montré l'importance, parce que je sais depuis mon arrivée, le gouvernement a parlé toujours de l'importance de créer une économie basée sur l'agriculture. L'agriculture dans le sens global. L'agriculture, c'est bien sûr, c'est les plantes, mais c'est élevage, c'est agriculture, c'est apiculture, c'est pisciculture. Et la capacité de détecter les maladies parmi les animaux, c'est important pour assurer la santé des animaux et avec ça, l'économie de la Guinée. Et pourquoi c'est important? Nous savons qu'il y a une jeunesse qui s'est impatiente dans ce pays. On voit chaque jour. Alors c'est important de créer les opportunités économiques pour la jeunesse. Et c'est toujours dans le secteur agricole qu'on peut gérer. Pas d'être paysan, mais d'être un entrepreneur agricole. Alors avec cette capacité maintenant, on peut garder les animaux. On peut garder les investissements des Guinéens qui veulent créer des petites entreprises, des moyennes entreprises, d'avoir une activité, de faire de l'exploitation, d'aider les populations dans les villes, d'avoir la nourriture de bonne qualité. Mais nous sommes très contents qu'avec cette laboratoire, qui a déjà détecté les maladies par les animaux. C'est beaucoup plus facile maintenant de réagir. Parce qu'au moment de détecter, avant, c'était nécessaire d'envoyer les échantillons vers la France, le Sénégal, avec un délai d'une semaine, deux semaines, un mois. Alors maintenant, on peut réagir directement. C'est-à-dire, la deuxième phase de ce programme, ce sera de renforcer les capacités des laboratoires régionaux, l'Abbé, Cancan et Zérecourt, puisque cette réaction peut être même plus rapide. Il y aura aussi un renforcement de capacité de l'École nationale de vétérinaire à Dalaba, que j'ai eu l'honneur de visiter. On a déjà là en placé une experte sur la langue anglaise, puisque les futurs vétérinaires et plusieurs épidémiologues dans le secteur vétérinaire peut participer dans les formations internationales, peut lire les documents qui viennent du monde entier. C'est une petite étape pour renforcer la capacité en langue anglaise. Mais c'est là, dans cette école, que c'est le futur du pays, c'est les gens qui doivent prendre au futur le rôle de aider. Il y a aussi l'école pour les agents agricoles, l'école de la paix, depuis longtemps, a aidé en termes de renforcer la capacité des futurs agents vétérinaires qui peut aider,
qui peut aider dans le sens de prévenir les maladies, d'aider les gens des villages, des paysans, de mieux garder nos animaux. Alors je dois remercier nos collègues de FAO qui a fait le travail avec ce projet. C'était l'agent du SAID, bien sûr, mais c'était FAO qui a fait le travail, et avec nos remerciements pour cet acte. Et on va voir dans quelques minutes, je pense, la qualité des œuvres qui étaient faites. Alors je dois saluer le gouvernement pour leurs efforts, pour la priorité qu'ils ont fait dans la santé. La Guinée a passé une triste expérience de Ebola, mais même la Guinée a montré que vous avez la capacité globale maintenant. Je vois les agences sanitaires qui ont été déployées vers Congo ou vers un autre pays africain. Alors vous êtes déjà un pays de référence. C'est un peu grâce à l'assistance des bailleurs de fonds. Mais en final, la capacité sanitaire, soit des animaux, soit des humains, c'est des fonctionnaires. C'est la formation, c'est la conviction, c'est le professionnalisme qui est des gens qui travaillent chaque jour dans ce secteur. Alors, en final, je dois saluer tous les fonctionnaires du ministère de l'élevage pour le rôle important que vous jouez. Monsieur le Premier ministre, merci pour cette opportunité. Je suis presque en fin de mon mandat, alors je suis très ravi que l'un de mes derniers actes est quelque chose de concret pour l'ouverture de cette laboratoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les opérateurs du secteur de l'élevage, mesdames et messieurs les cadres du département, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel du ministère de l'Élevage et en mon nom propre, souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, pour avoir accepté de rehausser de sa présence la cérémonie officielle d'inauguration du laboratoire central vétérinaire de diagnostic, malgré son calendrier très chargé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ici est une illustration éloquente de la volonté de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, de faire de l'élevage un secteur prioritaire et porteur de croissance. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement l'USAID et la FAO qui ne cessent de déployer tous les efforts pour soutenir durablement le ministère de l'Élevage dans toutes ses actions. En effet, les travaux de rénovation et d'équipement du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry ont été entièrement financés par ces deux institutions, auxquelles il faut rajouter le renforcement du réseau de laboratoires par la construction en cours des laboratoires régionaux de Cancan, Labé et Zérékoré, dont viennent de parler Monsieur le représentant de la FAO et Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. À cette rénovation, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic est désormais capable de diagnostiquer les principales maladies animales, y compris celles transmissibles à l'homme. Comme l'a souligné le directeur national des services vétérinaires, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic est resté longtemps inopérationnel. Cette situation a fortement handicapé les services vétérinaires en matière de surveillance épidémiologique et de riposte face aux menaces dues aux maladies animales et celles zoonotiques à potentiel épidémique. La récente crise sanitaire provoquée par la fièvre aphteuse en est une illustration. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs,
la maladie à virus Ebola qui a frappé la Guinée, le Nigeria et la Sierra Leone de 2013 à 2015 a confirmé la nécessité du renforcement des systèmes nationaux de surveillance des maladies dans lesquels les laboratoires vétérinaires ont un rôle primordial à jouer, notamment dans la détection précoce des maladies en vue d'une réponse rapide et efficace. Ainsi, le gouvernement, dans le souci de rendre de plus en plus performants les services vétérinaires qui sont en première ligne dans la lutte contre les zoonoses, a prévu la construction à Kouria d'un laboratoire de niveau de performance très élevé, répondant aux normes internationales en vue d'un diagnostic efficace des maladies animales et zoonotiques. Ceci devrait permettre non seulement de minimiser les mortalités au sein des élevages, mais aussi de réduire les risques de perte en vie humaine pour les maladies zoonotiques. C'est le lieu donc de remercier la Banque mondiale qui nous apporte un appui total dans ce projet. Je voudrais aussi saisir cette occasion qui nous réunit aujourd'hui pour féliciter et remercier deux de mes prédécesseurs qui se sont aussi investis pendant leur passage à la tête de ce département pour le développement du secteur de l'élevage. Je veux nommer Elhadj Diallo Ousmane Diallo, ministre d'État, ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, et Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse et de la Jeunesse. Une petite histoire, mes collaborateurs m'ont dit que je suis en train de reconstituer le réseau des ministres de l'élevage, mes prédécesseurs et moi. J'ai souri, mais je leur ai répondu que ils ont posé les premières pierres avant moi et Dieu a voulu que ce soit ma modeste personne qui pose la dernière. Donc les honneurs doivent être partagés avec eux. C'est pourquoi je les ai invités ici. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voudrions vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour assurer une bonne gestion de ces précieux outils dans le dispositif de surveillance et de riposte des maladies animales responsables de plus de 20% de perte de production de nos élevages. Je ne saurais terminer cette intervention sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le développement du secteur de l'élevage. Vive la coopération internationale, vive la Guinée, vive le professeur Alpha Condé, je vous remercie. À la Guinée, mesdames, messieurs, chers invités, c'est avec un plaisir partagé que nous associons à cette cérémonie d'inauguration du laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Cet événement marque en effet une étape importante dans la politique du gouvernement en matière de développement du secteur de l'élevage. Le gouvernement a décidé, sous l'impulsion du président de la République, de galvaniser le secteur de l'élevage pour améliorer sa part contributive à la formation du produit intérieur brut de la Guinée. Nous espérons à terme une contribution de plus à moins d'1% du PIB, ce qui va libérer des possibilités en termes d'emploi que l'ambassadeur des États-Unis disait il y a un instant, ce qui va améliorer la santé animale et humaine que le représentant de la FAO évoquait il y a un instant, ce qui va permettre à la Guinée d'améliorer sa capacité de détection. Ce laboratoire, en fait, vise cela. Nous disposons d'un outil qui améliore la capacité de détection des maladies, ce qui va permettre
d'augmenter notre capacité de résilience, d'action et de réaction face aux épidémies. La rénovation de ce laboratoire de l'IASU de Conakry s'inscrit donc dans le cadre d'un programme ambitieux de modernisation de l'élevage guinéen initié par son excellence monsieur le président de la République dans le but d'améliorer la production et la productivité du bétail pour fournir plus de bétail, plus de viande, plus de lait, plus d'œufs aux populations guinéennes et cela dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire. La relance des activités du laboratoire central vétérinaire de Niassi permettra de renforcer ainsi ses capacités de réponse aux maladies animales, y compris celles communes aux hommes et aux animaux. Mesdames, Messieurs, il convient de souligner que le programme d'amélioration de la production et de la productivité du bétail ne peut valablement réussir que si nous disposons d'un service vétérinaire performant, capable de répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes des filières de production animale. Nous saluons le démarrage prochain des travaux de construction d'un laboratoire national de niveau B2+, à Kouria, dans la préfecture de Kouria, sur financement de la Banque mondiale, et des laboratoires régionaux à Cancan, Labé et Zérecoré, avec l'appui financier de l'USAID et la collaboration technique de la FAO. La construction de ce lot de laboratoires permet ainsi à la Guinée de disposer d'un réseau de laboratoires vétérinaires parmi les plus performants de la sous-région. Ceci va faciliter le diagnostic sur place de plusieurs maladies animales et rendra possible des interventions rapides et efficaces. Mesdames, Messieurs, je voudrais saisir l'occasion pour rappeler que le secteur de l'élevage est l'une des priorités du gouvernement en tant que levier de croissance qui doit contribuer, nous l'espérons, à une meilleure sécurité alimentaire et d'une façon plus générale à la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi, en application des directives expresses du président, les allocations budgétaires en faveur du ministère de l'élevage sont substantiellement améliorées en 2018. Pourquoi rendre en mieux les précédents ministres, Ousmane et Moukhtar. Mais aussi mettre en œuvre de grands programmes de développement des filières de production animale. Pour terminer, mesdames, messieurs, je voudrais exprimer ou redire ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs, en particulier le ministre de l'élevage, que le gouvernement apprécie à sa juste valeur la contribution, l'engagement de l'USAID à ce programme, la coopération technique de la FAO en tant qu'agence d'exécution, donc tout l'appui financier et technique des différents partenaires dans cet effort gigantesque entrepris par mon gouvernement pour rénover, équiper les services de l'élevage et faciliter ainsi la contribution de l'élevage dans une dynamique beaucoup plus positive, la contribution de l'élevage à l'économie guinéenne. Grâce à votre partenariat, mesdames, messieurs, notre pays est sur le point de disposer d'outils adéquats pour la réponse contre toutes les maladies animales. Et sur ça, je vous dis merci et j'écris vive la coopération internationale.
propos de ce laboratoire central de Fimi. Quel est le sentiment que vous avez après grâce par le biais de ce financement de l'USAID, ce laboratoire est enfin opérationnel? J'étais très content d'être ici aujourd'hui parce que c'est quelque chose de concret en termes d'assistance américaine au peuple guinéen. Et ce laboratoire est la Guinée dans deux sens. C'était financé dans notre plan global contre les maladies infectieuses, alors c'est-à-dire pour la santé des humains. Et dans ce sens, c'est important. Nous savons que la plupart des maladies infectieuses viennent des animaux. Alors maintenant, le gouvernement guinéen a la capacité de détecter rapidement les maladies parmi les animaux qui peuvent affecter les humains. Mais en même temps, nous savons que c'est un grand impact sur l'économie guinéenne et les opportunités économiques pour le peuple guinéen. Parce que l'agriculture, dans le sens de l'élevage, c'est important pour le futur du pays. Et maintenant, il y a cette capacité. Ils ont déjà montré avec les échantillons qui étaient trouvés, que maintenant la Guinée a la capacité de détecter les maladies parmi les animaux. Et protéger les investissements des gens qui, qui sont dans le secteur d'élevage ou d'agriculture. Et nous savons que pour la jeunesse guinéenne, il doit trouver des opportunités économiques. Alors dans ce sens, cet abricot, c'est quelque chose de clé pour le futur économique de la jeunesse guinéenne. Pourquoi la FAO, l'USAID, en partenariat avec la FAO, soutient ce programme sanitaire mondial? Bon, nous avons utilisé FAU parce qu'ils sont les experts techniques. C'est avec les fonds de ce programme était un peu moins de 700 000 dollars. Mais c'était grâce à l'assistance FAO que les techniciens pouvaient faire quelque chose au niveau international. Et même maintenant, la Guinée reste parmi les pays qui ont un score global professionnel en termes de détection des maladies par les animaux. Mais même après la crise d'Ebola, alors notre stratégie était de renforcer la capacité de Guinée d'éviter les futures épidémies. Et dans ce sens, il y a trois phases. Il y a prévenir, c'est l'éducation pour la population qui c'est très important, mais détecter c'est important. Et si on parle de santé, santé c'est pas seulement le ministère de santé. Alors on travaille bien sûr avec le ministère de santé, mais c'est aussi avec l'environnement, c'est avec l'élevage, pêche, les forces armées, le ministère de sécurité, parce que la défense contre les maladies c'est quelque chose interministériel qui engage aussi la population. Merci Monsieur le Président. Aïwa, for la vie, la calé, qui ne m'entendait.